Et bonjour à tous. En ouvrant des paquets d'images la semaine dernière, j'ai sorti un canard t-shirt. Je vous ai dit, ce Pokémon-là, il n'a pas d'évolution, en tout cas dans la première série, et il n'est pas une évolution d'un autre Pokémon. Et ça, j'en étais sûr pour canard t-shirt. Seulement, en le collant l'image dans cet album, du coup, donc canard t-shirt, on va le trouver à plusieurs endroits. Donc il aura son numéro de Pokémon ici. Le numéro correspond, ça je l'ai pas dit. Le numéro 1, si vous ne savez pas, c'est Bulbizarre. Ensuite on a les trois principaux. Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle en 5, Dracaufeu en 6, et ensuite Carapuce, Carabaf, Tortank. Et ça continue comme ça. Jusqu'au 150. Donc 150 Mewtwo. Donc c'est ça, Mewtwo 150 et 151, non, oui c'est ça, Mewtwo 150 et 151, ici, Mew. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ou alors ça c'est une S, les brillantes sont désignées S, S23 ici, S24 là, donc lui ça serait S25. Ah non, on a 151 ici. Bon, alors 151, on a peut-être Mew. En 151, je sais plus. En tout cas, il existe plus de 150 types différents de Pokémon. Mais si Mewtwo est 150, Mew, il est pas avant, il est 151. Il me semble, hein, je suis pas tellement sûr. Encore une fois. Donc, Canard T-Shirt, on va le retrouver quelque part en numéro, je ne sais pas. Canard T-Shirt. Est-ce qu'on va le trouver quelque part tout seul? Quel numéro? Oh, bah là, il y a une image à coller. Bah voilà, je ne l'avais pas collé exprès. Il est ici, voilà. 83. Pokémon 83. Ensuite, dans l'ordre dans lequel les Pokémon sont listés, donc on a Canard T-Shirt 83, 84 Doduo et 85 Dodrio. Donc Doduo évolue en Dodrio. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est bien clair. On va regarder ce Canard T-Shirt là, on va le mettre de côté. Et c'est l'image 83. Seulement, dans la partie ici qui correspond, donc c'est après qu'on a capturé, on va dire, capturé les images. C'est un peu la capture des Pokémon ici pour les images des 150 Pokémon, ou 151 comme vous voulez. Vous avez une page, des pages qui sont dédiées aux évolutions par type. Type électrique, donc Pikachu évolue en Raichu, Magnéti évolue en Magneton, etc. On rappelle que c'est que la première génération ici. Fantominus évolue en Spectrum, qui évolue en Ectoplasma, donc tout ça c'est correct. Salamèche en Reptincelle, évolue en Dracaufeu. Alors, et c'est là qu'on va trouver quelques erreurs. Par exemple, ici, Pokémon Combat, par exemple, ils ont indiqué Kikli évolue en Tignon. Et alors, ça pour moi, c'est pas le cas. Ils n'ont pas d'évolution ces Pokémon-là. On choisit de capturer. Et on joue avec Kikli. Et Tignon, c'est pareil. Il me semble hein, que Kikli n'est pas n'évolue pas en Tignon. Peut-être que je me trompe. Mais il me semble. Et on va trouver la même chose. Je n'ai pas trouvé d'autres erreurs, du coup. Mais du coup, ici, voilà. Numéro, ils reprennent les numéros qui correspondent au Pokémon. Donc 83, 84 et 85. Mais ils indiquent ici que Canard T-Shirt évolue en Doduo. Et qui évolue en Dodrio. Donc, Doduo, Dodrio, ça c'est bon. Mais Canard T-Shirt, lui, n'évolue pas. Ça, après, donc, du coup, en voyant ça m'a mis le doute, parce que je vous avais dit le contraire. Mais j'ai été vérifié sur Internet, et c'est bien le cas. Il me semble que j'ai vu une évolution, mais qu'ils ont inventé plus tard pour Canard T-Shirt. Mais Canard T-Shirt n'évolue pas en Doduo. Donc, il y a une erreur dans cet album, qui est celle-ci, c'est sûr. Et pour Kikli Antignon également. Sauf si c'est moi qui me trompe, pour le coup. J'ai pas vu d'autres erreurs. S'il y a des erreurs, ça serait sur les images. Si par exemple, l'image qui correspond à Smogo correspond en réalité à Smogogo. Mais bon, ça, je saurais en ayant toutes les images. Voilà, c'était juste pour faire remarquer cette petite erreur ici. Voilà, c'est tout pour cet album. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.